le premier grave conflit entre un roi de France et un pape, un duel aussi inattendu qu'implacable. À bien y réfléchir, la lutte acharnée à laquelle se livrèrent le pape Boniface VIII et le roi Philippe IV le Bel fut une des conséquences, je crois, de la lutte du sacerdoce et de l'Empire, encourageant une augmentation des pouvoirs de la papauté, aggravée dans ce cas par la personnalité étrange du pape Boniface. Certes, le roi de France n'avait pas un caractère facile, mais il était d'une grande piété et tenait au respect du droit et des coutumes de son royaume. Il prit toujours pour exemple son grand-père Louis IX, qu'il souhaitait voir canonisé, ce qui indique déjà qu'il ne pouvait que vouloir s'entendre avec le Saint-Siège. De plus, Philippe avait eu pour précepteur Gilles de Rome, qui deviendra supérieur général des Augustins en 1292 et qui était un partisan de la réforme grégorienne. Cela explique peut-être que le roi ne vit pas d'un mauvais œil l'élection du cardinal Benoît Caetani comme pape le 24 décembre 1294 sous le nom de Boniface VIII. Un an plus tard, ils se trouvèrent d'accord pour nommer Gilles de Rome archevêque de Bourges. Caetani était un nom connu dans l'Église. Sa famille était d'Anagni, où plusieurs papes avaient séjourné avec la curie. Et il avait des liens avec d'anciens papes comme Grégoire IX et Innocent III. Son oncle, évêque de Todi, l'avait fait venir auprès de lui. Et le pape Alexandre IV en avait fait un chanoine, alors qu'il n'était que diacre. Très vite employé en curie, on le chargea de missions délicates, dont il se sortit assez bien, mais en se faisant à chaque fois des ennemis terribles, qui sauront avoir de la mémoire quand il sera intéressant de l'accuser. On l'a certainement calomnié sur beaucoup de choses parce qu'il avait été très actif. Toutes ces affaires montrant qu'il était un homme de terrain, rempli d'expérience et qu'il n'avait rien d'un naïf. Il devint conseiller du pape Nicolas III, toujours très employé. Le successeur Martin IV le créa cardinal en 1281. Et c'est lui qui reçut de Philippe III le dossier concernant la canonisation de son père Louis IX. Mais voilà, lors d'une légation en France, Caetani manqua totalement de diplomatie avec les évêques et les professeurs d'université, n'hésitant pas à utiliser même un ton sarcastique à leur égard pour les professeurs d'université. À Reims, il obligea l'évêque à confectionner deux statues, une pour chaque légat, à poser sur l'autel pendant certaines grandes messes solennelles. Ptolémée de Luc, évêque contemporain, écrit de Caetani, « Il n'eut pas d'égal, mais justement à cause de cela, il devint dédaigneux, arrogant et méprisant envers tous. » Un autre écrit, Boniface VIII fut homme très avisé dans les affaires du monde et si perspicace qu'il donnait l'impression de ne craindre aucun puissant. Il était si habile qu'il pensait ne jamais avoir été trompé par personne. Il vilipendait cependant tout le monde. Voilà. En 1294, il est élu pape. Il a 59 ans. Et il a beaucoup d'expérience, je viens de le dire. Mais voilà, il est élu pape dans des circonstances très particulières. Son prédécesseur, Célestin V, avait en effet renoncé à poursuivre sa charge, ce qui constituait une première dans l'Église catholique. Célestin V était élu pape à 85 ans. Et ce pieux ermite s'était vite rendu compte qu'il n'était pas fait pour une pareille charge.
et il semble s'en être ouvert plusieurs fois à d'autres, par entretien privé, et surtout au cardinal qui avait le plus d'expérience dans le Sacré Collège, qui était bien sûr Benoît Caetani. Sur le moment, sa renonciation ne fut pas une véritable surprise. Il souhaita d'ailleurs retourner à son ermitage, mais Boniface le lui interdit. Alors il s'enfuit, mais il fut rattrapé par les troupes de Boniface et obligé de suivre de nouveau le pape à Anani. Et ensuite, le pape le fait enfermer dans un de ses châteaux à Fumone, où il vécut 9 mois jusqu'à sa mort. Ce n'est que 2 ans après ces tristes événements que les Colonna, affamés ennemis des Caetani, commencèrent à répandre des rumeurs sur la renonciation de Célestin V, sa validité, le rôle qu'avait joué le nouveau pape, alors qu'il était cardinal, et bien sûr le décès du vieux pape emprisonné. Le roi Philippe le Bel n'y prêta aucun intérêt. Tout cela venait des Colonna, famille ennemie des Caetani. En 1296, se préparant à une guerre contre l'Angleterre, le roi Philippe demanda l'aide financière du royaume, la décime pour le clergé, sans en référer au pape. Beaucoup de membres du haut clergé avaient été fiefés par le roi, et par ailleurs Rome était encore redevable à la France d'argent non payé pour la croisade que Philippe III, père de Philippe IV le Bel, avait mené contre le roi d'Aragon pour le compte du Saint-Siège. Alors beaucoup de membres du clergé ont payé la décime, mais d'autres, évidemment, se sont plaints auprès du pape, qui réagit immédiatement d'une manière violente par une décrétale au vocabulaire agressif « Clericis laicos infestos oppido tradit antiquitas » qu'on peut traduire ainsi: l'Antiquité enseigne que les laïcs ont été fort hostiles aux clercs. Le pape, sans désigner spécialement le roi de France, menaçait d'excommunication tous les princes qui demanderaient des impôts extraordinaires sans son autorisation. Impôts au clergé, bien entendu. Il s'appuyait certes sur les conciles de Latran III et de Latran IV, mais en les durcissant, et en oubliant par exemple la possibilité de discussion, ce qui était d'autant plus, je le rappelle, que le Saint-Siège n'avait pas tout payé de l'éprouvante et coûteuse croisade d'Aragon. C'était d'autant plus donc étonnant. Le 18 août, 6 mois après la rédaction de son texte, Boniface le rendit public, croyant surprendre le roi. Mais celui-ci était déjà averti par ses évêques et avait préparé une réplique de la même encre que celle de Boniface. Le roi, par édit immédiat, décidait de bloquer toute circulation d'argent hors de France, ainsi que tout commerce extérieur. Chacun put comprendre que Rome ne verrait plus d'argent français. Boniface eut alors le grand tort de laisser publiquement éclater sa colère dès qu'il apprit la nouvelle le 15 août 1296 et de la traduire immédiatement le 20 septembre par une nouvelle bulle « Ineffabilis amor » le titre ne doit pas tromper, dont le contenu dépassait largement le contentieux financier pour traiter du problème de fond, l'étendue du pouvoir pontifical. Car le pape y évoquait les différends entre les principaux souverains et le roi de France en faisait partie. Et voici un court passage. Refusent-ils les souverains? Refusent-ils tous d'aller en justice pour ces différends? Récusent-ils le jugement et la décision du siège apostolique qui a autorité sur tous les chrétiens? Du moment qu'ils t'accusent, toi roi de France, de t'être rendu coupable envers eux de péché, c'est à ce juge, donc au pape,
t'appartient évidemment le jugement. » Et il ajoutait à l'intention de Philippe le Bel un avertissement lui demandant de ne pas oublier, je cite, « qu'il nous suffirait de te retirer nos faveurs, nous et l'Église, pour que toi et les tiens en soyez affaiblis au point de ne pouvoir résister aux attaques de l'étranger sans parler des autres inconvénients qui en résulteraient pour toi. » Les idées développées par ce pape ne sont pas nouvelles, puisqu'elles viennent toutes de la réforme grégorienne. L'ennui, c'est qu'elles sont évoquées à contre-temps. En demandant l'aide financière de son clergé, le roi n'avait été accusé de péché par personne, sinon par Boniface lui-même. Peut-être les Anglais, qui l'accusaient de préparer une guerre. Mais il s'agissait là d'une question de politique étrangère qui ne regardait que la France et l'Angleterre. Il fallait donc singulièrement durcir la réforme grégorienne pour donner au pape ce pouvoir d'arbitre qui le plaçait au-dessus de tous les rois pour lui permettre d'influencer leur politique. Déjà en 1247, Louis IX, futur Saint-Louis, avait mis en garde Innocent IV contre de telles prétentions et avait même manifesté son désaccord concernant la manière dont le pape traitait l'empereur Frédéric II. C'était manifestement une exagération de la doctrine des De Glèves, qu'Innocent III avait eu l'intelligence d'atténuer, je l'ai rappelé, et que Boniface aggravait, avec en plus la menace à peine voilée d'excommunication. Sur ces points, le roi ne répondit pas directement, mais maintint son blocus financier. En fait, il ne voulut pas entrer dans un conflit doctrinal avec le pape, et c'est ce dernier qui, gêné par le manque d'argent, se souvint, un peu aidé par ses proches, et par les proches du roi de France, et aussi Charles II d'Anjou, qui était à Rome, que les conciles de Latran prévoyaient quand même des arrangements. Et comme par hasard, la rumeur concernant la renonciation du prédécesseur de Boniface, Célestin V, recommença à enfler sous l'action des Colonna. Alors cette fois-ci, Boniface était lui-même attaqué quant à sa vie privée, et dès février 1297, fit savoir au roi de France que l'on pouvait composer et qu'il allait canoniser son grand-père. Ce qui sera fait le 13 août 1297, Louis IX deviendra ainsi Saint-Louis. Auparavant, Boniface, le 7 février de cette même année, 1297, avait publié une bulle, Romana Mater Ecclesia, qui en réalité annulait Clericis Laicos, publiée un an plus tôt, et autorisait le roi à demander de l'argent à son clergé sans autorisation préalable du pape. Le roi savait maintenant à quoi s'en tenir sur Boniface, mais il ne manifesta que sa satisfaction pour la canonisation de son grand-père. Il est le triomphe modeste. Il avait retrouvé la paix avec le Saint-Siège, et il ne prêta aucune attention aux méchantes rumeurs qui enflaient contre le pape au sujet de Célestin V. Le pape convoqua alors pour 1300, et pour la première fois, un jubilé à Rome par la bulle Antiquorum Abet Fida Relatio. Un rapport sûr des anciens dit qu'à ceux qui arrivent à l'honorable basilique du prince des apôtres de la ville, sont accordées de grandes indulgences et rémissions des péchés. Ainsi commençait le texte. Cette pratique du jubilé, vous savez qu'elle est mentionnée dans l'Ancien Testament par le Lévitique, tous les 50 ans,
on rendait des terres à d'anciens propriétaires, on remettait des dettes, on libérait des esclaves. Et pour les chrétiens, eh bien, Jésus sera, par son action rédemptrice, le grand jubilé, le jubilé parfait. Et le pèlerinage en Terre Sainte tiendra lieu pendant longtemps d'actions jubilaires en ce qui concerne le pardon des péchés. Mais voilà, la chute de Saint Jean d'Acre en 1291 et la fin des croisades rendirent les pèlerinages sur les lieux saints très dangereux et hasardeux. Aussi, dès 1229, vers la fin de l'année, des pèlerins affluèrent tout naturellement à Rome, persuadés qu'il allait s'y passer quelque chose en 1300. Et le pape alors, ce qui montre qu'il avait du flair, dans certains cas, à juste titre, va saisir cette occasion et, par sa manière de procéder, finir de révéler aussi son caractère. Un cardinal va annoncer d'abord le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, devant la cathédrale de Latran, que le pape est au-dessus de tous les souverains temporels et spirituels, quels qu'ils soient, au lieu de Dieu, donc à la place de Dieu, par le don que Dieu fit à Saint-Pierre. Et Boniface ménagea un certain temps d'attente pour annoncer à Saint-Pierre aux apôtres, et après lui, que le 19 février 1300, avant la grande fête du 22, Boniface monta à l'ambon de Saint-Pierre, qu'on avait recouvert de soie, et toute une mise en scène pour la circonstance, hein, qui en dit long sur Boniface, afin d'annoncer, pour la première fois dans la chrétienté, une année jubilaire, avec don d'indulgence pour ceux qui, s'étant confessés et ayant reçu l'absolution, visiteront les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul pendant 30 jours pour les Romains et 15 jours pour les étrangers. D'après le Florentin Giovanni Villani, il y eut 200 000 pèlerins en 1300, sans compter ceux qui passèrent plus rapidement. Alors évidemment, il en résulta d'énormes bénéfices pour les Romains, loueurs de chambres, et aussi pour le pape. Le commerce marchait bien. Il faut retenir aussi que Boniface annonça un prochain jubilé pour 1400. Et l'indulgence qu'il donnait, disait-il, était non seulement complète, mais la plus complète. Au consistoire suivant, le pape a dû quand même expliquer ce qu'il entendait par là. Son indulgence était aussi pleine que l'était le pouvoir et l'autorité de Saint-Pierre. Et pour le cardinal Stefanessi, on ne pouvait douter, selon lui, n'est-ce pas, et c'est le professeur Pallavicini qui a écrit un très beau livre sur Boniface VIII que je conseille, on ne pouvait douter que la peine éternelle pouvait être commuée par l'indulgence en peine temporaire. Elle aurait donc été remise par l'autorité du pape. Et voyez-vous, ce pouvoir qu'aurait eu le pape de commuer une peine éternelle en peine temporaire généra les abus concernant les indulgences qui nourrirent les premières contestations de Luther en 1517. Alors, si ce jubilé put être profitable pour de nombreuses âmes, je crois qu'on ne saurait en dire autant pour l'âme de ce pontife et sa fâcheuse tendance à la mégalomanie.